ça pour vous dire que tout simplement je vais bien. Vous n'avez pas vu de vidéo depuis un bon mois. Parce que ça fait un bon mois que j'ai pas été. Bon, il fait chaud. Voilà, je suis en train de marcher. Je fais du stop en fait. Je rentre à la maison. J'étais en Ardèche. Donc ça donne que j'ai pas que ça à faire. Que de rester collé à un ordinateur quand il fait beau et chaud. Et voilà, mais sinon, ne vous inquiétez pas, tout va très bien, l'association s'avance quand même, voilà, donc voilà, tous les projets se feront. Donc voilà, petite vidéo comme ça en passant, pour vous dire que tout va bien, quoi. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui se demandent. J'ai reçu un coup de fil d'un grand ami l'autre jour, enfin, il y a 2-3 jours, qui ne comprenait pas, il avait plus de nouvelles de moi. En plus, bon, ce mois-ci, je n'avais pas de crédit dans mon téléphone, donc pour me donner des nouvelles à mes amis proches, c'était chaud. Donc voilà. Voilà, bon, tiens, tiens, pour le poteau Marc Bonne, le frérot Marc Bonne, j'ai bien reçu tes textos, c'est seulement que je n'ai pas pu y répondre, mais je t'appelle bientôt. Voilà, il y a qui encore, il y a du monde hein, que je vais appeler très bientôt. Adrix, mon frérot Adrix, Jenska aussi, je vais t'appeler. Qui d'autre? Titi, coucou le terrien. Et Yeti, le Yeti 69, le Yeti, j'aimerais bien t'appeler, ces quatre, mais j'ai pas ton numéro. Donc si tu regardes cette vidéo, j'aimerais bien avoir ton numéro. En plus, j'ai quelques questions à te poser. Justement, par rapport aux démarches que tu entreprends pour sortir de la merde, on va dire. Donc voilà, je t'appelle dès que possible. Enfin, dès que j'ai un numéro où je puisse t'appeler, bien entendu. Alors là, je suis à Saint-Ambroix. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais du stop depuis l'Ardèche. Bon, j'ai été pris tout de suite, mais vraiment tout de suite. Un couple super sympa, super cool. Voilà, ben, si vous voyez, dis-moi si tu vois cette vidéo. Encore une fois, merci. C'était très sympa, très agréable d'avoir été avec toi et ta chérie dans le camion. Voilà, on va passer au-dessus d'une rivière qui s'appelle la 16. Là, je suis à l'entrée de Saint-Ambroix. Je vais devoir traverser le centre-ville. Une fois que j'aurai traversé le centre-ville, je me remettrai à faire des stops de l'autre côté. Voilà à quoi ça ressemble. Là, je vais vous montrer la 16 et l'entrée de Saint-Ambroix. Donc j'arrive de là et je vais là-bas. Un petit tour de caméra.